Comme d'habitude, voici un vlog tourné à l'arrache avec un son bien naze. Soutenons ensemble ceux qui vont écouter cette vidéo avec des écouteurs, avec le hashtag « L'audio se retient ». Merci de votre compréhension. Alors bonjour les gens, là on est dans le train, à Brest pour Paris. Voilà, le petit chef, ce qu'on va. Ouais. On va à Paris Manga, on a 4h30 de train. La dernière fois, je vous avais pris l'avion, mais bon, on va pas critiquer, hein. Voilà. C'est pas grave. Génial qu'on est en seconde classe quand même. C'est à quoi d'avoir 300 000 abonnés à un moment donné? Franchement. T'es mes 10 ans. Non, mon fils, c'est pas mes 10 ans. T'es mes 10 ans. Je suis pas mes 10 ans, monsieur. 300 000 abonnés. Première classe, merde. C'est 10 euros de plus en plus. Voilà. Voilà, c'est vide pour l'instant. Oh. Madame, je vous protégez bien à destination de Paris-Montparnasse. Va partir. Ici. Attention à la fermeture automatique des portes. Là, on va écouter du son calme, posé. Voilà, pour bien dormir. Pendant les 4 heures de voyage. Voilà, je te laisse voir. Attention. Bonjour, alors on est arrivé à Ibis Budget. Oui. Grand standing. Il y a Lucas Télé qui est là. Il est pissé dessus, il cache. Non, le bâtard. Voilà. Parce que tu m'as dérangé. Oui, voilà. Et donc là, on va aller manger du japonais. Le même temps. On va manger des sushis de merde. Mais il se plaint, mais il vient quand même. Je viens quand même parce qu'il y a des brochettes, et les brochettes elles sont bonnes, faut pas se mentir. Et clac. Là on est au restaurant, ça s'appelle comment? Okiomi ou Okiomiyo. Okiomiyo. Putain, t'as tout fait ébri comme si t'avais une auréole à l'académie. Ouais. Et là, il y a Fumayo Chiotte. On a commandé plein de trucs à manger. Voilà, dégustation Sugubi no Sushi. Ça veut rien dire en fait quand tu traduis. Voilà, on est là au resto, là on mange des petits sushis. On est là, vas-y fais-nous un porn food shot. Cette petite douceur. C'est moi qui fais un porn zoom shot. Allez vas-y. Oh oui. Oh vas-y chef. Petite douceur. Elle est pour toi, Guigui, celle-là. Elle est pour toi, Guigui. Quand j'ai filmé mes chiottes, et je vais dire c'est pour toi. Il aime bien nous montrer son caca. Alors, on est revenu du restaurant, et là, on boit du café. C'est quoi? T'as pris lequel, à gauche ou à droite? J'ai pris le gros. Putain, mais tu filmes. Après, les gens, ils vont encore dire tes vlogs, c'est que de la merde. C'est vrai, il y a du café dedans. Oh non, je t'aime bien, les gens. T'es mon copain, on s'aime bien. Voilà. Ouais. Donc voilà, on est bien, on va boire un café. C'est passionnant notre journée aujourd'hui. Voilà. C'est ce qui est beau. Il doit être genre 23h, on est toujours dans l'hall de l'hôtel. Le télé tente de déloger Végéto. Végéto, sors de là, s'il te plaît. Allez. Oh putain. Parce que l'histoire va se faire. Non. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ça sent pas bon, mais là j'en suis à plus de 5000 euros. Mis sur le portail. Non mais attends, mais c'est de la bite. Regarde, celle-là, elle est pour vous. Pour le chef. Vas-y. Et tous ses abonnés. Vas-y, mais moi j'ai plein de trucs que j'ai pas fait, moi, avec mes pierres du dragon. Bah tu vas essayer. Tenter. Et là, je vais l'avoir. Ouh, ça tombe à la droite, c'est bon signe. Je m'excite tout seul. Non, de la grosse bite, ça va être de la bite. Je crois que... Non, mais je crois que je l'aurai jamais, hein. Ah. Oh. T'as au paille-paille. Il l'a eu. Il l'a eu, mesdames et mesdames. Il l'a eu. Vas-y, je vais prendre ta réaction en direct. Après plus de 5000 euros mis dans ce jeu. Oh putain, il a voilà. La dernière invocation. On s'y attendait plus. C'est alors là, je suis... apporte des chances. Waouh. Là, il est en train de bander, là. Pour tous les gars du forum de jeuxvideo.com, allez, pour vous. Le consumérisme. Oh putain de sa mère. Le gars, il a cassé tout son argent dedans. Pour avoir une image avec un personnage. Même pas un dab, rien du tout. Ah putain, je suis frais là de ouf, mec. Oh là là. Oh putain. C'est triste. Je suis extrêmement choqué. Je sais pas, t'as pas réussi à le reconnaître avant qu'il apparaisse. Non, là, j'ai vu un truc de ouf, là. Non, mais... Bon, moi, je voulais le faire aussi, mais... Moi, j'ai vu la carte. J'ai une mise à jour. Je voilà. Alors, c'est quoi tes sentiments? C'est indescriptible. Je sais pas quoi tweeter, là, en fait. C'est un truc de ouf. Là on est dans le hall de l'hôtel avec le petit chef et la télé. Et là on attend que le chauffeur arrive pour nous emmener à la convention. En fait il est là, ouais. Et vous attendez-vous? On nous attendait, nous, en fait. Et... Oh là là. Oh là là.
Le papa qui arrive. Depuis qu'il a eu végétaux, c'est un autre homme. Bon là vous verrez le trajet sur dans le vlog de l'UKT. Allez, il est là. Regardez. Oh là là, oh, on est bien. Vas-y, chope un sac. Un sac. Et des cafés, des coca. Et la gueule de l'UKT. C'est pas très diététique tout ça. Attends, pourquoi on n'est pas là nous? On n'a pas assez. C'est inadmissible. On n'est pas assez vieux. On n'est pas assez vieux. Eh, on est social justice warrior là. Y'a que des blancs sur l'affiche, vous trouvez ça normal? Hein? Vous trouvez ça normal? Hein? Sont hein les minorités? Regarde, regarde, sur toute l'affiche, pas un seul négro. Voilà. Où ils sont les frères? Ils sont où les frères? Les frères? Hein? Ils sont où nos frères? Ouais. Alors on les entend pas, hein? 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 Supporter les minorités, bordel. Merde! On a vécu 10 Guito. Salut! Melfis! Melfis! Voilà, on a des beaux dessins. Achetez notre BD. Oh là là. Oui, oh là là, parce qu'on connaît. Ça, c'est le meilleur dessin au monde. Hein. C'est ça. Par contre. C'est ça. C'est le personnage au milieu, je sais pas qui c'est. C'est le plus beau, c'est normal. D'accord. Voilà. Le personnage nécessaire. Donc voilà. Et là, Lucas Télé va partir pour le photoshoot. Moi, c'est à 16h30. Voilà, ça va être bien. Là, on avait notre première séance de dédicace. Il y avait pas mal de monde. J'ai pas filmé, j'ai oublié. Un jour je serai les faire, t'inquiète. Voilà, du coup ouais. En fait mon vlog ça va être que moi qui dab H24, t'sais. Parce qu'il a eu super bien vidéo. C'est vrai. Voilà. On va essayer de reproduire la photo de Lucas Télé. Non mais attends, non après. T'as vu le manque de respect, ils m'ont carrément mis. Ouais, venez voir la photo avec Lucas Télé. Ah non mais c'est la photo d'exemple en fait du tout. Oui. D'accord. Oh. Tiens, je suis accroché là. Imagine t'as mis sur l'affiche. L'affiche c'est truc. Il y a ce Skouma qui filme le vlog de Lucas Télé. Je crois qu'il se sent un peu mal. Non, plein ça truc, va, j'ai juste une gueule de débile. Bon alors attends, mais justement, on va faire ça pour que vous attendiez mieux. Ah mais je vais refaire exactement la même pose en fait. Ouais mais une bien. Et je refais exactement ça. Si tu veux, mais le problème c'est qu'il n'y a personne. Et que là il n'y aura personne parce que tu veux visibilité. Alors une photo stylée. Allez. Je vais essayer de le mettre à la même échelle. Hop, c'est bon. Un peu plus ah merde ton truc s'est éteint là tu sais quoi j'ai une vidéo pour faire la pause là donc tranquille vas-y les épaules un peu plus de face des contracts plus de face ça met plus massif un peu plus de face voilà mais les pouces il me pose un peu. Les pouces plus alignés que ton sternum là le deuxième pouce non l'autre pouce voilà mais tu te penches toi un peu non de l'autre côté voilà un peu plus comme ça non, encore un peu plus voilà. C'est bon. Ouais. Ah, t'as plus le cou comme ça ah. Genre, hey. N'hésite pas à avancer plus vers là, mais là, tu avances sur le côté, donc genre, en mode, l'impression que tu fais un petit peu attention, genre, en mode. Attends, ben. Donc, remets-toi normal, aussi, tu fais un photo. Voilà. Ouais, alors, c'est ça. Ouais, c'est plus ça, ouais. Là, je suis dans la file pour le Atsu Atsu avec Lucas Télé. On voit plus Lucas Télé que ma gueule dans mon live. voilà, donc je suis bien ma gueule. On a été faire un photo shoot. Moi je vais mettre un pouce rouge parce qu'il y a Lucas TV. Hein. Ouais. Non, plus c'est moi les doigts. Tu veux faire chier Lucas TV, il faut que j'ai un Tipeee plus élevé que le sien. Ouais. Tactique commerciale. Plus que moi. Ouais mais plus encore. Or qu'il est plus riche que moi. On va donner le Tipeee. Ouais, on n'a pas besoin de toute façon. Voilà, on va se taper des takoyaki. On va se faire un petit PFS. C'est ça non que ça s'appelle? Quoi? Borno Zoom Shot, non, PFZS. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. En honneur à Guigui. Comme d'habitude, voilà, à bientôt. J'espère qu'on aura le temps s'il y a une conférence, il y a déjà du monde. Dans quelques minutes, mais on est juste en face, donc ça devrait être beau. Ouais.
Là, on a la seconde séance de dédicace. Voilà, il y a foule, comme vous pouvez le voir. C'est blindé de monde. Voilà. Avec Zaki, qui vient de m'offrir une figurine de Trunks. Qui nous avait déjà offert une... La Gintama, plutôt. Vachement cool. Qui était dans le dernier spot de collection. Merci beaucoup, je te mets un pouce. Et je te check. En plus, il a acheté un comics. Donc, merci. Voilà, ça c'est un bon abonné. On te dédicace ce poster. Ah, on devrait prendre exemple sur lui. Non. Tourne là. Dégustation de melon de panne avec Lucas Télé. Il est où Lucas Télé? Il arrive. Ça ressemble un peu à une brioche. Ça va super bon, hein. Ça sent le pitchik au plus. Attends, ouais. Attends, mais je fais d'abord un... Attends. Macron. Non mais moi je veux la filmer. Ah mais t'es relou quoi là. Bon, fais-le pour toi, moi on fera pour moi. Non non mais au pire je le retourne. Ah bien. Ma gueule. Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est bon? Vous de ma gueule. On dirait une brioche toute sèche. Ça sent la brioche un peu plus, je l'avais dit. Tu sais, quand tu prends une petite brioche et tu la laisses sécher, tu sais, ouais. C'est exactement ça. Pas le foutage de gueule. Mais faites l'expérience chez vous. Vous prenez un pitch sans chocolat, tu sais, tu le laisses une journée dedans. Je peux même pas dire que c'est pas bon. Dire c'est... Putain, la plus grosse déception de mon existence. Mais ils sont là tout pourris, hein. Ils sont là tout pourris, hein. Voilà, je sais pas quelle heure il est là. Peut-être un peu plus de 20h. 19h50. Bah non, bah il est moins de 20h. On va se faire une liège de ouf, hein. On a mangé. Bon, j'ai pas tout mangé encore, mais j'ai bien mangé. Et on sait pas quoi foutre. Je suis un peu fatigué, je viens de même pas remonter dans notre chambre encore. Ça fait 2 heures qu'on est là, enfin 1 heure qu'on est là. Donc voilà. D'ailleurs il y avait Pet of Chaos qui était assis juste ici. Du coup j'ai dû l'écouter parler. Parce que voilà, j'étais fasciné. Voilà. Voilà. Et Lucas il a même pas calculé que c'était lui. C'est trop déçu. C'est lui qui m'a demandé un autographe. C'est pas vrai. Du coup voilà, première journée de Japan Expo. Paris manga, je me suis trompé, ça arrive. Ouais, il y avait pas grand monde, mais c'était sympa. Ouais. Allez, bonne nuit. Hein. Il est l'heure de finir. Voilà, on est le matin du deuxième jour, samedi. Oui. Ouais. On n'a pas filmé grand chose hier. Tu rigoles ou quoi? J'ai filmé plein de trucs, moi. Ouais. Ouais. Un battle de bouteilles avec une télé. Pathétique. C'est très intéressant. Ouais. C'est passionnant à regarder. C'est ça l'année dernière, une qu'on avait fait. Voilà. Ouais, non, vous essayez de viser une poubelle. Ouais, nous on essaie de faire des flips. Je sais pas comment ça s'appelle cette discipline. Désolé. Voilà. Je suis en train de mettre sa mère un super végétal. Vas-y. S'il y en a que ça intéresse. Bah ça dure 30 minutes le combat, donc bon. J'ai peut-être pas filmé 30 minutes, hein. Et c'est le Kamehameha solaire de... Plus de monde qu'hier. Il est quelle heure? Genre plus
depuis 18h. Ouais, mais... Ah, est-ce qu'on fait des dabs ici? On est avec Pandrez et Tonton Ben. Allez, dab par une manga, ça te fait taper la vie. Oh, ça te fait taper le... Oh, putain, c'est ridicule. Donc voilà, là on attend parce qu'on sait pas ce qu'on va faire ce soir. Si, on sait très bien. On va faire du sale. Et on va le dire dans mon vlog. Bleu, bleu. Je suis sûr que mon vlog de merde, il fera plus de vues que mon vlog de merde. La seconde produit, Tonton Benz, abonnez-vous. Ouais, ouais. Non, vrai. Ah, ça fait partie du vlog, ça. Le vlog. Pendant que tu me regardes, ta vie défile. Fin sur le web. Je vlog ton vlog, je t'en mets. T'encules. Je vlog ton vlog. Ça va, Tonton Beans? Là, sur cette convention. Oh, ouais, je le fais. Vas-y. 100% de réussite. Ah, et je me casse juste derrière. Allez, hop. Oh. Vas-y, oui. Là on est au restaurant italien. Au moulin d'ici. Pas celui de là-bas. Elle est drôle. Merci, c'est tout pour moi. Retrouvez-moi tous les soirs. Avec Digital, le dessinateur. Digital, un Digital, un Digital. Jean-Pierre et Roger. Voilà, c'est quoi, je vais quitter télé. Et quand j'éteins la caméra, on verra les 6 burgers. Voilà. Deuxième jour de Japan Expo. T'es en sèche ou... Non, Paris Manga. Paris Manga, putain. Paris Manga. Là, on est au resto et là, on a décidé de faire régime. On mange diététique, on mange léger. On mange léger. Wet wet surf. Wet wet surf. Bra. Ça, il y a dit Lucas, le converti à l'islam. Miam. Celle-là, c'est pour les abonnés. C'est grâce à vous que je peux m'acheter une côte de bœuf dans un restaurant. Voilà. Alors, là, on est en dehors du restaurant. On a bien mangé. Oui, le quoi le moulin d'ici. Le moulin d'ici, à conseiller. Très voilà. Bonne côte de bœuf. Il est mieux que le moulin de là-bas. Non. Tu vas le faire à chaque fois. Elle est nulle à chier. Nul. Ah putain. Nul. C'est drôle. Nul. On a bien mangé. On a payé cher quand même. Un petit peu. Moi j'ai payé pour 3. Mais t'as payé pour ce Kuma aussi. C'est les abonnés qui ont payé quoi. Donc merci pour ce repas. Wow. Ça a réchauffé mon cœur. Dis merci ce Kuma. Ça a réchauffé mon anu surtout. Voilà. Je vais aller aux chiottes. Par contre en fait on faisait les shows, mais moi franchement j'ai bien mangé finalement. Non moi j'ai encore la dalle. Avec le... Ouais, mais toi t'as un problème, toi. Toi t'as un tenir dans ton cul. Ah, je crois. Je pense, hein. Parce que là, la côte de bœuf, je l'avais encore là dalle. Côte de bœuf, hashtag véganisme. Taras. Voilà. Trop la fin de ouf. Ouf. As-tu bien mangé, Lucas Télé? Ouais. Il a payé tout en pièces, ce crevard. L'argent des abonnés. L'argent des abonnés. Bonjour, les gens. Là, on est le matin du dimanche. Voilà, je suis dans ma chambre, là c'est le bordel parce que voilà, hein, je suis un peu un cassos. Et bah là on a été déjeuner avec Lucas Télé. Là il y a mon frère qui envoie déjeuner aussi. Il fait bien beau, c'est une belle matinée de printemps. On est en hiver, mais, enfin on n'est pas encore en hiver, mais t'as compris. Et du coup là c'est parti pour la dernière journée de Paris Manga. Voilà, je sens que t'es passionné par ce que je raconte. Mais voilà. Ouais. Alors là, on est en train de piéger les Coca-Cola. Voilà. Comme ça, là, le chef, il se fait son gros bâtard. Double. Oh. Oh, double casse. Double casse. Et voilà, elles sont toutes piégées maintenant, on peut se casser. C'est malsain ce que tu fais. Tu vas nous filmer sans notre consentement. J'estime que trop.